C'est la première fois que vous venez au bord de la pelouse ? Oui, première fois, oui, tout à fait. Bon, c'est sympa, ça change, ouais, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans votre entreprise ? Je commercialise tout ce qui est fermeture de bâtiments, des fenêtres, des vérandas, des portes de garage, du volet roulant, toutes ces choses-là en fait. Vous ne faites pas des toits pour les stades Non, on ne fait pas, il est un peu gros en plus celui-là, il est un peu gros. Qu'est-ce que vous avez découvert de particulier aujourd'hui ? On a vu les vestiaires un peu des joueurs, on était accueillis en salon privé, on a fait un peu le tour... Des choses qu'on voit pas en temps normal, quoi. Ça fait depuis que je suis tout petit que je suis à la SNL. Je connais bien Mickaël Chrétien, donc je suis pas mal à la SNL grâce à lui aussi. Et du coup, bon supporter de Nancy, c'est la ville. Moi, j'ai pris une photo à la place de Pedretti. D'accord. Alors j'espère que je vais lui porter chance. Au-delà de Pedretti, si un autre, par exemple, la jeune génération, est-ce qu'il y en a qui trouve grâce à vos yeux ? Je connais Chrétien, Mickaël Chrétien. Je dis un jeune. Je m'approche de l'oiseau bleu, en fait, puisque c'est Mélanie qui gazouille, hein, puisque tweeter, ça veut dire gazouiller. Mélanie, bonjour. Bonjour. Combien de tweets par match ? Est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce qu'il y a une demande particulière, déjà, de la part du club ? Oui, tout à fait, une demande particulière de la part du club et de la part des supporters également, parce que, voilà, les supporters sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter ou même Snapchat, maintenant. Donc, par contre, aucune moyenne. Hein. On ne peut pas calculer. Le plus partagé, je dirais, le but de Loïc Puyot à domicile la dernière fois. Sinon, là, tout à l'heure, par exemple, j'ai pris une photo de nos trois joueurs juste à côté, Alexandre Menet, Loïc Puyot et Fethou Mawassa. Voilà, une petite légende, qu'est-ce qui les intrigue ? Et tout le monde va répondre, va essayer de trouver ce qui peut les intéresser. Voilà. Loïc Puyot a le sourire, en tout cas. Voilà, il est... Il se moque. Est-ce que tu me suis ? Ah non, je suis comme ça. En fait, je vais poser une question, mais alors vraiment une question pas politiquement correcte au doc. Est-ce qu'il vaut mieux jouer sur une pelouse synthétique que sur une pelouse pourrie comme à Bastia ? Il vaut mieux jouer pour le foot sur une pelouse synthétique. On casse les pieds sur la légitimité du synthétique à Nancy, mais quand on voit une pelouse avec des ornières comme la semaine dernière, ça n'a aucun intérêt. Nous ici, au moins, on a toujours une équivalence de pelouse, quel que soit le climat. Alors après, plus de blessures, moins de blessures, nous ici, on n'en a pas plus. Tout va bien, Vincent, il reprend, il est en phase de réathlétisation. Donc à mon avis, la semaine prochaine, quelques jours après le début de la semaine, il doit être dans le groupe. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait une lésion sur l'articulation du gros orteil, l'équivalent d'une entorse. Ça soigne en combien de temps, ça ? En une semaine, une, deux ? Le problème, c'est les douleurs résiduelles. C'est pas la gravité de la blessure, c'est les douleurs résiduelles. Nous, on ferait ce qu'on voudrait dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que jouer avec ses pieds, ça va être compliqué avec cette petite blessure. Consultant de première mi-temps, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Je trouve que Nancy présente un visage très, très cohérent, très convenable, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'envie. J'ai trouvé l'Uruguayen très bon, Cabaco très bon derrière, et puis globalement, une bonne dynamique d'ensemble. Nancy est bien en place, c'est vraiment pas mal. Solide défensivement, et puis on arrive à se créer des occasions, il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que vous avez trouvé Rémi Walter en forme ? Ah, il est pas mauvais, c'est vrai que... Il nous a fait un peu de mal au début, en première mi-temps. Ça va quand même pas trop mal, je trouve, mais bon, ça manque un peu d'entrain. Après, voilà, à voir en deuxième mi-temps quand même ce que ça donnera. Il y a quand même quelques occasions, même si le cadre n'est pas trouvé. Oui, voilà, c'est le cadre qui manque quand même pour les occasions, mais on verra après. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ils vont un peu mieux cadrer les choses, on verra.
Première fois que le minot de l'AS Nancy-Lorraine revient avec un autre maillot, hein, à moins que je me trompe, c'est la première fois que tu reviens à Nancy avec un autre maillot. Il y a eu un petit pincement ou pas du tout? Tu étais dans ton match? Si, si, ça avait forcément une saveur particulière pour moi, pour Arnaud aussi, même s'il n'a pas joué. Et voilà, après, j'ai essayé de faire abstraction un peu à tout ça avec tous les proches, les amis, la famille, tous ceux qui m'attendaient vraiment au tournant par rapport à ce match. Et voilà, j'ai essayé d'être bon et maintenant... Voilà, comme je dis, le plus important, c'est le collectif, c'est le groupe et on repart avec les 3 points. Les parents étaient dans la tribune, comme toujours? Toujours, c'est ça. Je vais me dépêcher de prendre ma douche pour aller les voir et passer un petit bonjour, parce que c'est vrai que je ne les vois plus beaucoup maintenant. Il y a un mot quand même sur cette nouvelle star du championnat de France. Non, Mario, c'est un super mec. C'est quelqu'un qui, je pense, a une autre image de ce que les médias font de lui et... C'est vraiment quelqu'un qui est concerné dans le groupe, qui est venu ici pour faire vraiment quelque chose, aider le collectif. Et ça se ressent sur les matchs, il est vraiment impliqué, concerné, et c'est très bien pour tout le monde. Il paraît que tu lui parles, c'est parce qu'il te prend pour Marco Verratti peut-être, non? Non, je pense pas. Je comprends un peu l'italien, et puis voilà, on arrive à échanger un peu. Le plus important, c'est qu'ils répondent présents sur le terrain, comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. On te souhaite une bonne saison avec Nice. Merci beaucoup et bonne saison à Nancy.